Alors, Monsieur Ouattara, je vous demandais, en ce qui concernait les virus, comment ça fonctionnait? Très bien. Alors, ce que je sais, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à un certain moment, tout dépend de l'évolution, bien sûr, des technologies, de l'informatique de façon générale. Alors, dès qu'il y a eu les premiers ordinateurs, il y a les premières menaces. C'est à chaque fois, quand il y a une technologie, il y a toujours donc, le revers de la médaille. Mm-hmm. Éventuellement, tout le monde n'est pas de bonnes intentions. Et je crois qu'à ce niveau-là, réellement, tous ceux aujourd'hui qui sont spécialisés dans la sécurité, en général, tout ce qui est infrastructure, aujourd'hui, je veux dire, ne sont pas forcément producteurs de virus. Vous avez des gens qui sont des individus isolés. C'est comme aujourd'hui en matière de cybercriminalité. On a tous des réseaux pour pouvoir donc fonctionner correctement, échanger des informations. Mais vous avez des gens, par exemple, qui sont des cybercriminels. C'est des gens qui décident vraiment qui ont de mauvaises intentions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de pouvoir justement donc mettre en place un certain nombre de systèmes. Les antivirus, éventuellement, permettent de lutter contre les virus, quelquefois informatiques, qui sont créés, quelquefois à grande échelle, qui affectent les machines ou alors les systèmes. Mais en même temps, ce n'est pas forcément l'œuvre de ceux qui sont spécialisés dans la sécurité, qui font des antivirus. Mais c'est l'œuvre de certaines personnes. C'est l'œuvre de certaines personnes. Tous les virus, c'est quelqu'un qui s'est assis pour voir tout comment à fait, détruire. Pour réfléchir, tout à c'est fait. Ce n'est pas un dysfonctionnement qui a créé... Ça peut être quelquefois un dysfonctionnement, ça peut être juste un bug, un dysfonctionnement, mais quelquefois, on a besoin justement d'avoir des systèmes qui soient fiables. Mm-hmm. Et les systèmes fiables, vous avez... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'arrête juste à l'antivirus. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont spécialisées, comme je l'ai dit, dans la sûreté. Mm-hmm. C'est-à-dire qui sont pas juste là pour lutter contre des virus, etc., mais juste là également pour lutter contre les systèmes ou alors quand les systèmes tombent, ou alors les faillites des systèmes, c'est-à-dire pouvoir les remplacer automatiquement. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, votre ordinateur peut avoir un virus, mais vous avez la possibilité de l'isoler, de pouvoir travailler, en attendant éventuellement, donc de pouvoir avancer. Donc c'est cela, c'est pas forcément l'œuvre de ceux qui sont dans la sécurité, de l'informatique, ça peut être des gens de mauvaises intentions, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, de plus en plus, je crois que quand on observe, la technologie est en train de s'adapter et en train d'évoluer. Les hommes aussi, bien sûr, s'adaptent, réfléchissent, évoluent. Mm-hmm. Mais on va arriver à des systèmes qui soient quand même des systèmes qui ne permettent pas forcément d'avoir des virus qui affectent tout un système. En général, on le détecte et puis on fait face et on avance. D'accord. Alors, au terme de cet entretien, sur quelle note vous voulez que l'on se sépare? Alors, c'est de dire qu'au cours de l'année, justement, il y aura plusieurs événements consacré aux technologies, d'un point de vue mondial, mais également au point de vue national. Alors, après, justement, l'événement de Las Vegas, le salon, donc CES, on a également, en partie de février, ce qu'on appelle le World Mobile Congress, qui est le salon, justement, dédié au mobile. Et là, également, toutes les tendances, tous les grands constructeurs montrent leur dernier cri de téléphone, tout ce qui a été fait dans le domaine du mobile. Et c'est justement la GSM Association, et ça se tient à Barcelone, en Espagne, c'est du 24 au 27 février.
D'accord. Donc, à partir de là, déjà, tous ceux qui sont dans les starting blocks, les constructeurs, attendent ce moment-là pour présenter les derniers téléphones avec les dernières applications. Et nous, on va suivre ça de près. Éventuellement, on pourra vous porter toutes les informations avec grand plaisir. Sur justement cet événement. Et puis, à côté de cela, dans le CeBIT qui se déroule donc en Allemagne, à Hanovre, également dédié plutôt aux professionnels des technologies. Ce n'est pas juste le mobile, mais c'est plutôt les technologies de façon globale. Et également, c'est des occasions pour réfléchir sur des thématiques qui concernent quelquefois la sécurité, qui concernent le développement d'infrastructures, qui concernent également un certain nombre de domaines pour pouvoir réellement profiter des bienfaits de la technologie et pouvoir avancer avec. Et puis, on a également ITU Telecom World qui se tient chaque année vers la fin de l'année, qui est organisé par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Oui. Là, c'est des problématiques où les politiques, justement, vont réfléchir sur comment développer la technologie pour tout le monde, pour que la technologie soit au service de l'humanité. Ça, c'est un peu le rendez-vous, mais également, il y a des opérateurs là-bas, il y a également des équipementiers et tout cela qui présentent aussi tout ce qu'ils ont comme innovation à ce salon-là. Oui. Alors, en Côte d'Ivoire, on a deux événements majeurs, je crois, qui vont marquer 2014. Il y a les Journées nationales des NTIC, les JNTIC, justement, qui vont se tenir, je crois, dans le mois, on va dire à peu près, ça dépend, on n'a pas encore la date exacte, mais qui devrait se tenir, on va dire, d'ici la mi-2014, qui sera consacré justement aux technologies en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui va être fait et quels sont les gens aujourd'hui qu'on a, les acteurs, les opérateurs qui se retrouvent, qui parlent, il y a des conférences, des ateliers et sur un certain nombre de thématiques qui sont assez intéressantes. Ça également, donc on sera là pour vous apporter éventuellement l'information. Et puis, dernier, c'est qu'on a Africa Telecom People 2014 également qui se tient en Côte d'Ivoire. C'est un événement qui, depuis des années, on sera, je crois, à la 10e édition, qui réunit un certain nombre d'opérateurs, d'agents, des acteurs du secteur. Mais sauf qu'on se retrouve, quelquefois, il y a des récompenses, mais également la possibilité de réfléchir à l'échelle, justement, du continent sur comment est-ce qu'on peut adapter la technologie d'un point de vue de l'économie, d'un point de vue, bien sûr, de l'environnement pour éventuellement tirer tous les bons, on va dire, le profit au maximum. Donc voilà un peu. Eh bien, très bien. Alors ça s'annonce riche. Ça s'annonce riche 2014. Et surtout que 2014 est une année charnière. Alors je voudrais rappeler qu'en 2015, c'est qu'on fait le passage au numérique. Nous, RTI, nous sommes beaucoup concernés, mais également la RTI, mais également l'État de Côte d'Ivoire et un certain nombre d'États qui nous entourent. D'accord. Alors donc, 2014 est une année charnière pour pouvoir asseoir donc tout ce qu'il y a comme possibilité, les règles, les normes, etc. Et pouvoir faire justement cette transition donc vers le numérique de façon. On va dire très, 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 très aisé. Et comme je dis, 2014, c'est l'année charnière, mais également pour réfléchir dessus, pour sensibiliser, parce que à partir justement du passage au numérique, il va falloir faire beaucoup de réadaptations. Ouais. Très bien. En tout cas, on en parlera avec grand plaisir, hein, quand vous le souhaitez. Bien sûr. En tout cas, merci d'être venu et puis d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on vous attend avec impatience la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, il faut toujours visiter notre site web, www.rti.ci. La possibilité de voir tous nos supports radio, télé, également web. La possibilité de nous voir en direct via Internet, via le streaming. Et pour ceux qui veulent nous écrire, c'est web.rti.ci. Monsieur Ouattara, merci à vous. Merci. Alors, Max Cool, c'est notre transition et nous recevons nos DCM. Ok, c'est Max Cool. C'est le son qui va déjà. Vous allez prendre. La vie, c'est le flow, la manière et la profonde du hip-hop soldat. On a du style et du flow, les rimes, elle aime un peu sans du hip-hop soldat. C'est du hip-hop soldat. Du hip-hop soldat. Du hip-hop soldat. Du hip-hop soldat. Le mec que faut m'a choisi par la puissance du rap. Pour vous informer tous les phénomènes du rage. Le pire fil que je mets, en piteux équipage. Adieu, adieu de Quasimère, trop potage. Le quai et tout est constitué des animaux féroces. Entre dans le grade, afin de se protéger, de braconner, d'acharcher tous les piètes occupants. Nous on est là pour travailler, c'est facile de nous critiquer. On a du style du flow, les rimes, elle aime un peu fort du hip-hop soldat. C'est du hip-hop soldat. Du hip-hop soldat.
On est dans le même camp, toi et moi, négro. Alors MC, rabale ton ego. Égoïste des masques, c'est zéro. C'est moi, c'est démo, je suis un héros. Et c'est que j'aime du Congo, mais le goût trop, c'est trop. Mets-le dans ta poche et éteins ton ego. Entre nous, il y a de la haine qui sustaine. Et moi, je fais mes super moves comme Bolo. Enlève me. Vite lâche ton nom, arrête ça Joe. On a toujours les moyens pour les stopper ces idiots. Il me plaît de Gaou et moi je fais comme si sous, je suis pas fou. La vie c'est plutôt la manière, et la plupart du people soldier. La vie c'est plutôt les rimes, et les morts sont comme du people soldier. C'est du people soldier. Une faiblesse, je m'inspire mollo mollo dans mes tests. Sans cesse, j'encaisse les douleurs de mes sur le but. Le microphone se redresse avec nos tic-tac dans le style modeste. Dans les ghettos, toutes les têtes sont en tresse. Rock, rick, rack, c'est sale avec nos mic-mac dans le contre-attaque du style ouest. Ok, c'est ma school. Hip-hop, ça toujours au rendez-vous. De retour en studio, nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Ils ne sont pas très nombreux, c'est juste, nous sommes en début de semaine et nous sommes toujours dans le mois de janvier. Alors sachez que nos invités sont en train de concocter pas mal d'événements et vous allez voir qu'ils vont rebondir pour le mois de février et à la Saint-Valentin qui approche déjà à grands pas. Cela dit, M. Hachi Patrice est installé. Juste avant, nous avons notre jingle. Rendez-vous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Marine. Alors, vous nous parlez de conférences économiques sur l'emploi et l'entreprise. Exactement. Alors, raclez-vous bien la gorge parce qu'on vous écoute. D'accord, merci. Alors, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous. Je suis là encore ce matin pour annoncer les différentes prestations, les conférences, les formations, les offres d'emploi et les affectations du Global World SIE. Ce qui voudrait dire service entreprise et activité du monde global. Alors, ce sont des conférences avec sur les affaires rentables du pays et des pays du monde et les solutions aux problèmes économiques individuels. Premièrement, avec offre et proposition d'emploi à tout diplômé et sans diplôme, à tout volontaire, avec formation à toutes les affaires rentables du pays et des pays du monde, et affectation dans le pays, dans tous les pays du monde, ou bien sûr créativité personnelle. Deuxièmement, formation des directeurs des entreprises à toutes les affaires rentables du pays et des pays du monde, dans chaque quartier, et de tout volontaire, bien sûr, à tous les emplois, toutes les techniques, tous les métiers, toutes les professions indiquées, toutes les activités économiques, entreprises et affaires rentables. Troisièmement, il y a les coûts complets de toutes les classes, tous les examens, tous les diplômes et tous les concours de tous les niveaux sur le site internet www.aucoudedieu.com. Quatrièmement, toutes les études et formations du pays, bien sûr, sur le site internet www.aucoudedieu.com. Cinquièmement, il y a la liste de tous les emplois et affaires rentables du pays et les formations relatives à consulter dans nos différents lieux de formation et de conférences. Alors, il s'agit bien sûr de conférences et de formations, les affaires rentables du pays et des pays du monde et les solutions aux problèmes économiques individuels et de l'emploi. Les grandes révélations pour ne plus jamais avoir de problème d'emploi, de problèmes d'entreprise, de problèmes de réussite dans la vie, de problèmes d'argent et les solutions aux autres problèmes, à savoir les guérisons vis-à-vis des maladies incurables ou persistantes, les déblocages et les réussites et autres. Alors, bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent et pour tous ceux que nous avons aidés, il y a des preuves, bien sûr, de plusieurs de nos auditeurs et autres. Je prends toujours l'exemple de cette vendeuse de dégâts qui vend plus de 400 bouteilles de dégâts par jour en raison de 400 000 francs, bien sûr, par jour qu'elle gagne. Cette femme, elle est encore là. Le restaurateur de bureau, bien sûr, qui gagne plus d'un million de francs par jour, le revendeur de shawarma qui vend 200 shawarma par jour en 1 000 francs de shawarma, ça fait plus de 200 000 francs par jour, il gagne plus de 6 millions de francs par mois sans compter les autres, mais le pressing qui donne plus d'un million de francs par jour,
Pas moi du moins. Le pêcheur, bien sûr, qui gagne 600 000 francs par jour après, bien sûr, une nuit de pêche. Je prends aussi l'exemple de ce vendeur de poulet braisé qui vend plus de 300 poulets braisés par jour en raison de 3500 francs le poulet braisé, ce qui lui fait près de plus d'un million de francs par jour, bien sûr. Je vais poser une question. Allez-y. Vous parlez du shawarma, de 200 shawarma par jour. Alors, moi, c'est ce qui m'interpelle. Je vous écoute et je me dis super, je voudrais me lancer et puis vendre des shawarma, en vendre 200 par jour. Donc, je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, le tout n'est pas de dire que je fais une affaire. Il faut être formé à cela. Les grandes stratégies, les grandes méthodes. Vous voyez, ce monsieur qui vend ces 200 shawarma a une belle et bonne méthode, bien sûr, qu'on ne peut pas tout exposer ici. Donc, il fallait que ceux qui veulent, en tout cas, innover en matière d'affaires, viennent dans nos différents lieux de formation. Et là, ils auront toutes les méthodes, tous les rudiments, en tout cas, tout ce qu'il faut, en tout cas, pour vendre. Mais sans apport initial? Exactement. Au fait, nous avons un module de formation où nous parlons de comment remplacer le capital par l'intelligence. C'est-à-dire, je n'ai pas de financement. Mais il y a bien sûr des méthodes parce que, écoutez, ce n'est pas parce que je n'ai pas de financement et que je ne vais pas créer une affaire. Mais non, on peut remplacer le capital, on peut remplacer l'intelligence par le capital. Il y a tous ces méthodes-là. Vous savez que depuis que je fais ce magazine, que vous venez vous asseoir, vous ne m'avez jamais intéressé. Mais là, aujourd'hui, vous m'intéressez. Donc, même si ce n'est pas le cours que vous allez nous donner, il y a des personnes, je pense, comme moi, qui vous écoutent et qui sont aujourd'hui sensibles à ce que vous dites. Vous dites qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir de l'argent pour créer une affaire. Ça peut être remplacé par le capital, l'intelligence. Par l'intelligence. Le local où je fais mes shawarma, le propriétaire est bien gentil. Et vous savez, notre slogan, comment créer une entreprise à partir de rien. D'accord. Ce sont de grandes thèses économiques, de grandes thèses, je dirais. En tout cas, beaucoup de gens ne le savent pas. Et ceux qui nous ont déjà fréquentés, comme cette femme aujourd'hui qui a plusieurs duplex, parce qu'elle a écouté, bien sûr, en tout cas, le grand patron. Et aujourd'hui, elle a arrivé, bien sûr, le docteur Raphaël Okoudjidier, qui a beaucoup fait. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Parce que s'il peut enseigner, parce que lui-même, vous aussi, vous en avez alors. Exactement, on crée des entreprises. Monsieur Archie, vous n'avez pas tout dit sur ce plateau. Allez-y. D'accord. Alors, nous présentons les emplois que peuvent exercer tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école et qui donnent mieux que le salaire de cadre de la fonction publique et qui prouvent d'ailleurs que ceux qui n'ont pas réussi à l'école ne sont pas du tout perdus. Tu n'as pas réussi à l'école, ne t'inquiète pas, viens nous rencontrer, on te donne les différentes méthodes. Les activités rentables et réalisables à partir du rien et les méthodes pour en tirer au minimum 1 million de francs par mois et qui prouvent que tout homme peut avoir au moins 1 million de francs par mois et qu'un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé ou s'il est informé mais qu'il n'agit pas conformément aux informations qu'il a reçues. Cette vendeuse d'Aloco a bien compris le secret. Alors, elle gagne 10 000 francs de bénéfices devant une liste de la place. Bien sûr, ce qui fait plus de 300 000 francs par mois. Mais si elle arrive à lui faire, à réaliser cette même activité devant 10 écoles avec la même capacité d'accueil, elle gagnerait 10 000 francs fois 10 lieux, ce qui fait plus de 100 000 francs par jour. 100 000 francs par jour dans ce pays, c'est beaucoup. Alors, elle peut avoir 3 000 par mois. Elle peut avoir au minimum 1 million de francs par mois après être installée dans 10 lieux très différents. Bien. Alors, nous parlons aussi, troisièmement, bien sûr, des emplois. Je vais juste donner un exemple pour vous terminer. Les entreprises rentables et réalisables par toute personne et qui prouvent qu'on ne peut être riche que par l'entreprise et non par le salaire. Mais le salaire peut donner, bien sûr, les moyens de création de l'entreprise. Ce fonctionnaire a compris, il a acheté une brèche de manioc à 400 000 francs et il gagne 20 000 francs de bénéfices par jour, ce qui fait plus de 600 000 francs par mois. S'il le fait progressivement en 10 lieux, il aura presque, je dirais, 6 millions de francs par mois. Alors, pour tous ceux qui veulent nous rencontrer, tous ceux qui veulent créer une affaire, tous ceux qui veulent innover, nous invitons tout le monde, tous les malades, tous les infirmes, bien sûr, parce que la pauvreté est une infirmité, et tout le monde, dans nos différents lieux de formation, dans toutes les villes de l'intérieur, nous sommes à la mairie tous les jours, à partir de tous les jours à 19h et tous les dimanches matins. Et dans tous les villages, c'est à l'école primaire tous les jours à 19h et puis aussi les dimanches matins. Et avec projection vidéo. Abidjan, nous sommes dans toutes les communes d'Abidjan. À Cocody, c'est aux deux plateaux près de l'ENA Villa, au Koudjidjé, tous les dimanches matins. À Yopougon, c'est à la salle des fêtes du Nouveau Quartier, tous les mercredis à 18h et les dimanches matins. À Bobo, c'est à la salle des fêtes, à Bobo Soujefia, Cité Universitaire, près de Cache Ivoire, tous les jeudis à 18h et les dimanches matins. À Koumassi, premier lieu, c'est en face de la pensée Prodomo. Deuxième lieu, c'est à Koumassi Ramblay, au terminus du bus de l'O3, demander l'ancienne boulangerie, tous les mercredis, tous les mardis à 18h et les dimanches matins. À Angry, n'oubliez pas, c'est à l'arrêt du 81-82, près de la clinique Le Jourdain. Ce soir même, il y a conférence et puis aussi demander le centre de retraite spirituelle. Alors,
Rencontrons dans tous ces lieux, dans tous ces lieux. N'oublie pas deux plateaux près de l'ENA Villa au Koudjéjé tous les samedis à 15h et aussi les dimanches matin. Et bien sûr, consultez notre site internet, le www.okoudjéjé.com et notre numéro de téléphone, c'est le 05 06 71 70. 05 06 71 70. Très bien. Vous-même, vous avez monté une activité dans quel domaine? Nous sommes dans le domaine de la restauration. D'accord. Nous faisons des plats sur commande dans tous les immeubles du plateau. Parce qu'il y a beaucoup de tout dans vos propos. Bien sûr. Dans tous les immeubles du plateau. Bien sûr, parce que vous savez, ce monsieur Dieu lui a donné de grandes idées. D'accord. Et ça, les gens se tournent pour savoir, mais en fait, ce n'est pas compliqué de savoir, parce qu'il a fait beaucoup d'enquêtes durant toute sa carrière de professeur et toutes ces choses-là. Il met ça à la disposition de D'accord. tous les jeunes aujourd'hui pour que chacun arrive à entreprendre quelque chose. D'accord. Merci à vous. Merci Marie. Ça fait plaisir aujourd'hui, j'ai échangé avec vous. Merci. Ça me fait plaisir. Très bien, donc à bientôt. En tout cas, merci d'être venu. Say Mandia, c'est notre transition suivante et nos DCM sont là. Hey baby, tu resteras l'enfant de mon cœur. Sera l'enfant de ma vie. Benas à Calabou, ma maman Mathilde de Londres. Chaque jour de ma vie, je remercie tes parents de m'avoir donné ce beau cadeau, bébé. I love you. Elle est belle, elle est jolie, elle est gentille, c'est la plus belle. C'est mon bébé, bébé. I love you. Oh,
De retour en studio, alors je me suis entraînée à hors antenne, DMC Design, c'est vous. Bonjour monsieur. Bonjour maman. M. Soji. Oui, c'est j'ai moi. Bien prononcé. Oui. Sinon, en attendant, je disais MCO. Donc bon. M. Soji. Oui, M. Maintenant, @manager, le bâton de Moïse. Voilà. Et puis, Niger Manager, le bâton de Moïse aussi. D'accord. Donc, il y a deux bâtons. Maintenant, on va savoir qui tient le vrai bâton de Moïse. Le vrai bâton. Très bien. Et Lions Pub, c'est un établissement, c'est un bar, c'est une boîte de nuit? Oui, madame, c'est un bar, le bar leader de la commune d'Abobo. À l'instar donc de tous les lundis, on se retrouve pour notre plateau des stars. C'est une soirée tout à fait extraordinaire. Et croyez-moi, au cours de cette soirée, nous mettons en évidence, sinon à l'honneur, les stars de Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez tous, les promoteurs des spectacles, les managers, et tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, des stars. Et ce soir, ce sont les managers qui sont à l'honneur. Ces deux managers qui sont @manager de Yopougon et Neger Manager de la commune d'Abobo, qui, n'est-ce pas, se font surnommer bâton de Moïse. Quand on sait que Moïse, avec son bâton, a divisé la mer. Donc voici deux bâtons de Moïse qui vont s'affronter ce soir au Lions Pub Bar de Luxe pour une bataille impitoyable. Alors, pour la petite histoire, retenez que Plateau des Stars, c'est dans un premier temps l'occasion qui est donnée au public, n'est-ce pas, de converser ensemble avec les stars. Donc ce soir, ils auront donc le temps, n'est-ce pas, de discuter avec le grand public, ce soir même au Lions Pub Bar de Luxe. Et je suis bien sûr sûr que les éléments venus de Yopougon viendront soutenir @manager et ceux d'Abobo venus soutenir, n'est-ce pas, Neger Manager. Ça va se passer au Lions Pub, le bar leader de la commune d'Abobo, avec sa sonorité de nouvelle génération, avec ce jet de lumière à vous couper le souffle. Ça va être quelque chose d'extraordinaire ce soir au Lions Pub Bar de Luxe. Très bien. Alors, nous allons faire un break quelques secondes. Nous allons revenir sur le plateau. Il y a un avis de disparition de l'enfant de l'un des nôtres ici à la radio-télévision ivoirienne. Il s'agit donc de M. Camara Oumar Norgil, qui signale la disparition de sa fille, de sa petite, répondant au nom de Camara Trésor Tata. Alors, pour toute information, veuillez appeler, s'il vous plaît, le 21 26 83 44. 21 26 83 44. Le 08 64 34 29. Le 08 64 34 29. Ou encore le 07 17 09 98. 07 17 09 98. Monsieur Camara Oumar Norgil, agent donc de la RTI, donc signé à la disparition de sa petite, répondant au nom de Camara Trésor Tata depuis samedi. C'est vrai, vous allez nous dire qu'il n'y a plus d'avis de disparition dans le cadre de ce magazine, c'est vrai. Mais bon, solidarité oblige, dans le cadre de la maison de la radio-télévision ivoirienne, il s'agit d'un agent de la RTI qui a perdu pour l'instant disparition de sa petite. Donc si vous l'avez vu, il faut urgentement appeler le 21 26 83 44, le 08 64 34 29 ou le 07 17 09 98. Nous allons revenir là-dessus. Alors nous revenons maintenant sur le plateau de stars que nous avons là, en ce qui concerne donc ce clash donc amical qui aura lieu au Lions Pub. Très bien. Alors avant de vous laisser la parole, on va demander donc aux personnes qui seront donc en train de montrer de quoi elles sont capables pour savoir un peu qui est le meilleur des deux, de lancer un appel s'il vous plaît en quelques secondes. Ok, moi je suis @manager, le bâton de Moïse. Étant Yopougon, j'ai plus que notre bâton de Moïse à Bobo. Donc ce soir, on va savoir que le vrai bâton de Moïse, c'est qui a divisé la mer en deux. Parce que moi, je crois que c'est moi qui ai rendu le lac israélien et égyptien en sang. C'est moi qui ai frappé le rocher et l'eau potable est sortie. D'accord. C'est moi le bâton de Moïse. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que j'avoue que je ne suis pas forcément très, très boîte de nuit, c'est que c'est quoi le concept? C'est une danse? C'est un clash? Ce sont des chansons? Qu'est-ce que c'est? C'est un clash. De quoi, oui, madame. Quoi? Vous allez faire quoi? Attendez, s'il vous plaît. Vous allez faire quoi? Vous allez chanter et danser? Non, pas chanter et danser. Moi, je suis un manager, faiseur des stars. Lui, c'est un manager, faiseur des stars. Donc, vous allez faire quoi? Vous vous posez dans quoi? On se pose, on se croise. Pour nous, moi, c'est un manager, il y a beaucoup d'éléments. Lui, il y a beaucoup d'éléments. Donc, ce soir, on a les parrains. Voilà, on verra qui a les vrais parrains.
D'accord, très bien. Allez-y, vous également. Ok, il s'est fait appeler le bâton de Moïse. Mm-hmm. Il n'a jamais eu deux bâtons de Moïse. Très bien. Il a toujours eu un seul bâton de Moïse. Mm-hmm. Ce soir, lui s'est fait appeler le arrobas, le bâton de Moïse de Yopougon. Ce soir, il va prendre son bâton, il va casser, il va jeter. D'accord. Très bien. Maintenant, le concepteur de la soirée, lui, il s'appelle Dempsey Design. Dempsey Design. Très bien. Et votre mot de fin, c'est vous qui le donnez ou c'est vous? Allez-y, on vous écoute pour votre mot de fin. Ben, madame, ce soir, ça va être du confrontateur Yopougon à Bobo, comme vous le constatez vous-même. Et je voulais rappeler qu'au cours de cette soirée, on aura une partie qu'on appelle les drags en live. C'est en direct. C'est un monsieur qui s'appelle Ministre Kivundu qui appellera, n'est-ce pas, sur scène des éléments pour venir, n'est-ce pas, faire des drags en live. C'est une partie très importante au cours de cette soirée Plateau des Stars. Je rappelle que le Plateau des Stars, c'est le lieu, n'est-ce pas, où l'artiste converge avec son public. Mm-hmm. Donc ce soir, ce que feront les managers, ils viendront avec des éléments. Mm-hmm. Ils viendront avec, n'est-ce pas, des pions sûrs pour permettre aux Lions Pub de craquer et de, n'est-ce pas, avoir plus d'éléments dans ce bar. Donc je rappelle. Donc, lieu, s'il vous plaît, les téléphones. Le lieu, c'est au Lions Pub, c'est tout juste en face du complexe sportif d'Abobo. Et vous pouvez joindre Dempsey Design tout juste auprès de moi au 02 64 66 30, au 07 68 67 36 et Frisch Manager Le Luxe, l'un des concepteurs également. S'il vous plaît, la conclusion, monsieur. Au 02 12 16 18. D'accord. Mais là, comme conclusion, madame, ce soir. C'est la conclusion. On connaît le téléphone. On sera ensemble. Je reprends. D'accord. Donc Frisch Manager 02 12 16 18. Dempsey Design 02 64 16 30 07 68 67 38. Merci à vous. À ce soir. Monsieur, on revient sur la vie de disparition. Avant de conclure avec notre dernier invité, monsieur Camara Omar Norgil, donc agent de la RTI, signale la disparition de sa petite répondant au nom de Camara Trésor Tata. Pour toute information, s'il vous plaît, que vous pourriez avoir, elle a disparu depuis samedi. Vous appelez le 21 26 83 44, 21 26 83 44. Vous appelez le 08 64 34 29, 08 64 34 29. Vous appelez le 07 17 09 98, 07 17 09 98. Voilà. Priva Manager, bonjour à vous. Bonjour. On parle du programme de la semaine du Troubis Bar. C'est à Port-Boué, on vous écoute. Le Troubis Bar, mm-hmm, assis à Port-Boué, précisément route de Bassam, à Carrefour Aéroport, annonce comme suite le programme de la semaine. Ce lundi, nous avons le face-à-face de Jésus Pequeno, le créateur du concept La Cuitata, qui revient avec un tout dernier, le Lapé Bonbon. Face à Rossi Vegem, créateur du Chipolo Polo, qui revient lui aussi avec un tout dernier concept, le Masogolo. Alors c'est pour ce lundi à partir de 20h. Et le mercredi, nous avons Dino Malachi, le père fondateur des sports en attraction au Troubis Bar, un semi-live. Voilà, au Troubis Bar. Le vendredi, nous avons le DJ DMX, le chef d'état-major zambien, qui viendra aussi présenter son tout dernier tube, le Bonne Année 2014. D'accord, très bien. Et le monsieur qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Roxy Vegem, yes, concepteur du Chipolo Polo, oui, aujourd'hui qui revient avec un tout dernier, le Masogolo. Et lui, il est en spectacle quel soir? Il est en spectacle aujourd'hui, ce lundi, face, mm-hmm, à DJ Pequeno, mm-hmm, au Troubis Bar, à partir de 20h. Très bien. Votre établissement est situé où donc? Est situé à Port-Boué, Carrefour, Aéroport, mm-hmm, route de Bassam. Des téléphones, monsieur? 09 99 39 98, mm-hmm, 06 98 65 86. Très bien. On peut reprendre le numéro, monsieur? 09 99, mm-hmm, 39 98, mm-hmm, 06 61 86 98. J'ai pas compris. 06 98 65 86. Merci, monsieur. Nous sommes au terme de ce magazine. Mille excuses. Vous avez sûrement été nombreux à attendre M. Yves Blé.
Et malheureusement, elle n'a pas pu effectuer le déplacement sur ce plateau. Ce sont également les aléas du direct de ce magazine. Nous revenons également une dernière fois sur la disparition en ce qui concerne la fille de l'un des nôtres ici à la radio-télévision ivoirienne. Monsieur Camara Oumar Norgil signale la disparition de sa petite, répondant au nom de Camara Trésor Tata. Pour des informations que vous pourriez avoir, elle a disparu depuis samedi, vous appelez le 21 26 83 44. Vous appelez le 08 64 34 29. Vous appelez le 07 17 09 98. Voilà. Nous n'avons pas ouvert les antennes en ce qui concerne les avis de disparition. Il s'agit d'un des nôtres et solidarité oblige. Point final pour ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir, monsieur. Awasa, awasa, mogomani baye, mogomani bonyo eniki yera kenyani.